Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo sur l'acné hormonale. J'ai pensé que c'était important de savoir eh bien, un petit peu si vous étiez concerné par l'acné hormonale. Il y a à mon avis 5 caractéristiques à ce type d'acné. Alors je voudrais juste vous faire une petite liste très brièvement. Le premier signe, c'est que tout simplement vous avez d'autres signes de déséquilibre hormonal en même temps. En d'autres termes, vous avez d'autres signes de problèmes de type bien des règles par exemple qui sont irrégulières ou des règles très abondantes ou très douloureuses par exemple. Ou alors, je ne sais pas, des choses comme par exemple une absence ou une trop forte pilosité. C'est très très commun avec des acnés hormonales, surtout sous l'action des androgènes, les hormones mâles. Ça peut être des problèmes de libido par exemple, ou des problèmes de fertilité, une difficulté à concevoir, ou des problèmes annexes tels des crampes, fatigue ou des problèmes de migraine. En d'autres termes, l'acné hormonal, ça ne vient pas tout seul, ça vient avec d'autres signes de déséquilibre hormonal. Donc ça, c'est la première chose à laquelle je pense. La deuxième chose, c'est que c'est l'emplacement tout simplement de ce type d'acné. C'est un emplacement qui est très caractéristique en ceci que c'est généralement situé, l'acné est généralement situé sur la partie inférieure du visage. Donc on parle généralement du menton, du bas des joues, même éventuellement autour de la bouche. Donc quand c'est le tiers inférieur du visage, on peut vraiment penser à une acné hormonale. La troisième chose, c'est que c'est une acné qui va varier souvent au niveau du cycle. On va en avoir plus souvent à certains moments et ça va être mieux à d'autres moments. Alors très très de manière très fréquente, on en a plus au moment des règles ou avant les règles ou au moment de l'ovulation. Quatrième signe, pardon, c'est tout simplement la présence de kystes. Si vous avez des kystes, alors ce sont des boules hein, très très profondes à l'intérieur de la peau. C'est des boutons qui n'ont pas d'ouverture, donc ça se présente sous la forme de boules généralement douloureuses et qui ont du mal à partir, qui mettent beaucoup beaucoup de temps à partir. Et ça veut dire eh bien qu'il y a eu une grande stimulation des glandes sébacées, donc on a produit du sérum de manière très importante, de manière très rapide. Et ça, c'est sous l'influence de deux choses possibles, les hormones ou le stress. Et donc le cinquième signe, il est très 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 facile. Il est tout simplement au niveau de la difficulté à traiter ce type d'acné, en ceci que, eh bien, c'est une acné qui est extrêmement rebelle, qui résiste absolument à tous les traitements. On peut utiliser beaucoup de crèmes, on peut même faire des changements de mode de vie, éliminer des aliments, enfin faire beaucoup de choses comme ça et on n'a aucun résultat. Et généralement, quand on n'a aucun résultat en essayant beaucoup beaucoup de choses, c'est qu'on a affaire à une acné hormonale parce qu'elle est particulièrement difficile à traiter. Alors, si vous vous reconnaissez dans ces signes, si vous pensez que vous en avez quelques-uns, généralement, en ce qui me concerne, quand je traite quelqu'un, quand je m'occupe de quelqu'un, il suffit que j'en ai deux ou trois pour que je me dirige vers ce type bien d'analyse et que j'essaye d'en savoir plus sur la personne, en tout cas sur la vie hormonale de la personne. Donc, si vous vous sentez concerné et que vous avez au moins deux ou trois de ces signes, je vous encouragerai eh bien, à vous inscrire à les listes d'attente de ce qu'on appelle la méthode avancée. La méthode avancée, c'est ma méthode pour les acnés particulièrement rebelles. Nous organisons régulièrement des sessions pour cette méthode avancée et d'être inscrite sur la liste d'attente vous permet d'être informée au moment de l'ouverture de ces sessions. Donc je vais mettre un lien en bas de cette vidéo de manière à ce que vous puissiez vous inscrire. N'hésitez pas bien sûr à le faire si vous vous sentez concerné. J'espère que la vidéo vous a été utile et que vous trouverez bien sûr une solution à votre acné hormonal grâce à la méthode avancée.